my pleasure to be introducing the crew that's flying you there today. This morning we're flying with Captain Kevin and First Officer Claudia. My name is Lauren. I have the absolute pleasure of working with around row 4 is Janet, and standing at row 1 next to me is Patricia. I'll be the voice in your ear for our hour and 2-minute flight together. Your safety is important to us, and we ask for your attention as we review the following safety information. There is a safety features card located at your seat which indicates the safety features of this aircraft. Please take it out and follow along as we cover some very important information. Seatbelts and no smoking signs are visible throughout the cabin. Please comply with them at all times. Smoking, including cigarettes and vaporizers, as well as consuming your own alcohol, including juice, is prohibited. Whenever the seatbelt sign is on, your seatbelt must be fastened low and tight across your hips. To fasten, insert the flat metal end into the buckle and pull on the strap to tighten. To release, lift the top of the buckle. Turbulence may occur without warning. We recommend that you keep your seatbelt fastened at all times, even when the seatbelt sign is off. In the event of an emergency, you will hear a command to brake. Refer to your safety features card for your brake position. Do not take any carry-on baggage with you during an evacuation, and follow the directions of the crew. There is a total of 6 emergency exits, 2 window exits located mid-cabin over the wing, 2 door exits located at the front, and 2 door exits located at the back. Please take a moment to find the exit closest to you, along with all other exits. Should a power loss or emergency occur, floor lights will come on, and all exits will be indicated by illuminated exit signs. Should the cabin pressure change, oxygen masks will drop down from the panel above you. Remain seated and immediately pull a mask towards you to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth and place the elastic strap behind your head. Pull the 2 loose ends on the front to tighten. Put your mask on first before assisting anyone else. In preparation for takeoff, please ensure your seat back is upright and your tray table is still. If your electronic device becomes wedged within the seat, do not adjust the seat or try to retrieve it. Call your cabin crew immediately for assistance. Always use care when retrieving carry-on baggage from the overhead bin to avoid injury to yourself or other guests. Thank you for choosing WestJet as part of your journey today. Please let any crew member know if you have any questions or safety concerns. We hope you enjoy your flight. Votre sécurité est notre priorité. Veuillez nous accorder votre attention alors que nous présentons les mesures de sécurité suivantes. Vous trouverez devant vous une carte des mesures de sécurité concernant cet avion. Veuillez en suivre avec nous les points importants. La cabine est munie de voyants concernant les ceintures et l'interdiction de fumer. Veuillez vous y conformer en tout temps. Il est interdit de fumer, d'utiliser des cigarettes électroniques ou des vapoteuses et de consommer vos propres boissons alcoolisées, y compris celles achetées aux boutiques hors taxes. Votre ceinture de sécurité doit être bouclée et ajustée à vos hanches lorsque les voyants des ceintures sont allumés. Pour ce faire, vous allongez le visage dans la bouche et tirez sur la courroie pour l'ajuster. Pour la détacher, soulevez la bouche. Les turbulences peuvent survenir sans avertissement. Nous vous recommandons de garder votre ceinture bouclée en tout temps, même lorsque les voyants des ceintures sont éteints. En cas d'urgence, vous entendrez une commande vous demandant de prendre votre position de protection. Consultez votre carte des mesures de sécurité pour connaître votre position de protection. Ne prenez aucun bagage avec vous en cas d'évacuation et suivez les directives de l'équipage. Il y a au total 6 sorties de secours, soit 2 hublots de sortie au milieu de la cabine, au-dessus des ailes, 2 portes à l'avant et 2 portes à l'arrière. Prenez le temps de repérer la sortie la plus proche de votre siège, ainsi que l'emplacement des autres sorties. S'il y a une panne d'alimentation ou une urgence, l'éclairage de plancher s'allumera et toutes les sorties seront indiquées par leur enseigne de sortie illuminée. En cas de changement de pression dans la cabine, le panneau situé au-dessus de vous s'ouvrira et déclenchera des masques à oxygène. Restez assis et tirez immédiatement sur un masque afin que l'oxygène se libère. Placez-le sur votre nez et votre bouche tout en passant la bande élastique derrière votre tête. Tirez sur les deux extrémités à l'avant pour l'ajuster. Mettez votre masque en premier avant d'aider les autres. En préparation du décollage, veuillez redresser votre siège et votre tablette.
Si votre appareil électronique reste coincé dans votre siège, n'essayez pas de le récupérer ou d'ajuster le siège. Demandez immédiatement l'aide d'un membre de l'équipage de cabine. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres invités, faites attention en tout temps lorsque vous récupérez vos bagages dans les compartiments supérieurs. Merci d'avoir choisi WestJet pour votre vol aujourd'hui. N'hésitez pas à communiquer avec les membres.
put it up above the seating up there, so it's just not, you know.